Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la performance sur un nouvel épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc, nous étions toujours sur la première planète, nous avons changé donc dans le présent épisode. Nous sommes donc sur la deuxième planète qui est de type forêt, on va voir si ce biome a changé. Nous avons quelques quêtes à y faire normalement. Oui, donc le biome est un petit peu différent au niveau de la parallaxe au fond. Les quêtes en question sont... Free as a bird. Donc, ah oui, exact. Exact. Eh ben en fait, non, c'est pas ça qu'on va faire, chers amis. Ce n'est pas ce qu'on nous demande actuellement. J'ai chié dans le dernier épisode. Il faut que nous nous rendions sur cette gate. Et nous y allons. Hop. Alors le chat... Pas plus coopératif que ça. Hein. Bon, bah on va manger. Hop. Donc en lâchant en fait, si je ne lâche pas le truc et que je lâche le clic ensuite, ça fait une espèce de gaz. C'est pas mal. Hop, allons-y. Beam down. Hop. Nous arrivons donc au niveau de la gate. On peut trouver des drones comme celle-ci partout dans la galaxie. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je détecte une anomalie spatiale assez proche. Peut-être une forme de système de téléportation. Effectivement, nous avons un système de téléportation. Donc l'arche, on n'ira pas parce que c'est pas encore... je sais pas s'il y a une amélioration, on ira ça pour la voir. L'amélioration, on ira donc une autre fois. Là, à l'heure actuelle, c'est surtout ça qui nous intéresse. On va voir s'il y a des nouveautés à l'outpost. Alors ici, rien de bien nouveau. On ne peut toujours pas tuer grand monde. Bonjour. Oh, trois quêtes. Hop, gear up. If you're serious about... Si tu es sérieux à propos d'explorer l'univers, tu auras besoin d'un meilleur équipement. Je vais te dire, si tu me ramènes une wooden crafting table, je vais la transformer en iron crafting table et te montrer comment le faire par toi-même. Va au point de téléport pour le faire plus rapidement. Bah écoutez, on va obéir allègrement à cet ordre. Hop, on va ici. On rentre le truc à outpost, hop, on peut se téléporter donc à notre vaisseau quand on le souhaite, et aussi s'y téléporter de nouveau ici, quand on le veut. Alors, wooden crafting table, de toute façon j'en ai pas besoin, je crois que je pouvais le faire de là, non? Ouais, exact, je pouvais le faire de là. Ça, je pourrais les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Hop, j'ai été stupide. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, mais est-ce que je l'ai construite? Non. Hop, la voilà. En plus, nous avions de quoi crafter ici. Là, il n'y avait rien dans cet endroit, on va dire. Et normalement, ici, il y a un objet de quête. Voilà. On va s'empresser de garder. Frog Furnishing, il n'a pas changé. Pas du tout. Pas du tout. Oh. C'est vraiment histoire de souffrir. Hein. Hop. Bonjour. Voici la quête. Merci. Une autre quête. Tu pourrais m'attraper un insecte, s'il te plaît. Avec un filet insecte. Je vais te donner le matter manipulateur module que j'ai trouvé. D'accord. Je veux du chocolat. On va t'acheter du chocolat. Hop, on t'a acheté le chocolat. Hop. J'ai besoin de mon script. Je l'ai trouvé ton script. Il était dans la poubelle, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Hop. Apporte-moi un gâteau. Pour faire un gâteau, il nous faut...
du sucre, du lait et des œufs. Hop, alors. Les œufs, je les ai. Le lait, je l'ai. Le sucre, cependant, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore trouvé de canne à sucre. Alors. Ramène-moi une cool jacket et je te donnerai quelque chose de génial. Pourquoi pas? Voyons voir par là s'il y a quelques nouveautés. Oh. Véhicule plus sail repair. Oh, il y a un robot ici. Oh. Véhicule repair. Intéressant. Et là, auto-chip pour 100 pixels. D'accord. Green overbike controller, kaki, d'accord. Heureusement quand t'es censé pouvoir les colorer, hein. Ah bon, je dis ça, c'est comme si je disais rien. Donc c'est ici qu'il faudra voir pour... Et donc, qu'est-ce qu'il faut comme objet? 11 000, putain. La kaki coûte 11... Alors pourquoi la kaki coûte 11 000 et la green... Ah, le boat, il y a le boat aussi, il a 25 000. Il coûte cher. Green overbike coûte 15 000. Bon, pourquoi pas. Yo, qu'est-ce que tu... Non, toujours rien, toi. Ok. Donc à l'heure actuelle, il nous faut... hop. Un filet à papillon. Du cas de la canne à sucre et une cool jacket. Cool jacket, on va pouvoir la faire, vous allez voir. On devrait avoir... Ah, quoique, on a fait beaucoup de... Merde, on a fait beaucoup de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Cool jacket, il va me falloir 20 fabriques. Et pour avoir un fabrique, il me faut 3 plantes. Donc il me faut 600 plantes fibres, je crois. Ou 60 plantes fibres. Je sais plus compter. Je sais plus compter. Bref, il nous faut beaucoup de plantes fibres. On va le dire comme ça, ça va être mieux. Là où elle est ici, le bugnet, il est ici, il va me falloir du fabrique aussi et j'en ai pas. Ok, donc on va se déplacer sur la planète forêt qu'on avait, sur laquelle on était tout à l'heure. Maintenant qu'on peut se téléporter quand nous le souhaitons. Hop, quand nous le souhaitons. C'était la troisième? Ah oui. Sur l'autre poste. Hop. Cool jacket, ah bah là voici la cool jacket que je pourrais lui donner mais non. Alors. Alors. Allons-y. Hop. C'est parti. Ok. Du kiwi. On a trouvé du kiwi. J'aimerais juste, au passage... Oh merde, il me suit. Ah, il est solide le machin, eh. Oh la vache, il m'a fait mal et il est solide. Ok. Voilà. C'est que ça. Oh la vache. Une violence. Ok, brûle. Parfait. On l'a eu. Du kawatt. Du café. Vache. Ok. Ok. Faut qu'on commence à farmer les pixels tout de suite si on veut commencer, si on veut pouvoir. Oh, y a pas grand chose niveau racine ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'accord, une petite tour. Oh, hiker backpack, bah génial. Ça c'est absolument génial. Ah, puis on a trouvé un truc, un autre truc intéressant en plus, cher ami.
Je vais vous montrer ça, on va y aller tout de suite, de toute façon c'est pas très très loin. Hop. Vous avez remarqué qu'on a obtenu un composant de matter manipulateur, et donc du coup on peut en crafter un nous-mêmes. Vous voyez, pour un diamant et un matter manipulateur. Hop. Maintenant qu'on l'a crafté nous-mêmes, on va déjà pouvoir profiter d'une première upgrade au niveau du matter manipulateur. Là il nous en faudra deux pour pouvoir avoir la collection, la capacité de récupérer les liquides en fait, tout simplement. Alors, vous allez voir qu'on va taper un peu plus fort, ensuite on va pouvoir augmenter la taille de la zone de... Bah merde. Oh non. J'étais pas au bon endroit pour mettre les deux pics. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on a été téléporté ailleurs. Les champignons, moi je les brûle. En plus je vais en cuisiner plein. What? Wouah, ce sort est sublime. Un petit champi. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que ça chauffe? What? Wouhou, c'est pas passé loin. Oh non de Dieu, ils font mal. Putain de champignons. Un troisième. Alors ça donne quoi ça, au passage? Oh, mushroom et plant de fiber. Hop. Reçoit des messages, c'est cool. Rien. Et des planches. Génial. Un peu de pixels, un petit peu de cuivre et quelques pixels supplémentaires. On récupère tout ça. Gla. Hop, c'est bon. Ah, ça va être chiant ça aussi. Hop. Voilà. On n'est pas rendu si on y va à cette vitesse là. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh putain, j'avais oublié cette attaque. Hop, tu n'as rien vu. Ils ont des superbes épées par contre. Hein. Hop, je te pique ça. Je te pique tes carottes aussi, l'ami. Il y a un ennemi en dessous. Hop. On récupère les pixels. J'aurais préféré retrouver des fibres normales. Putain d'insectes de merde. Hop, on l'a eu. Ah, on retombe peut-être sur un biome normal. Voilà. Je préfère. Hop. Brûle. Parfait. Alors, progressons, progressons, progressons. Des kawattes. Ah, toi il aurait fallu que je te capture. Oh. Un temple à Vianne. Alors, est-ce qu'on va avoir l'armure nécessaire à ce genre de craft? À ce genre de zone, pardon. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on aurait dû crafter notre nouvelle armure. Voyons voir. On peut peut-être le faire ici. On peut une pétoche. Hop. Voilà. Et ici, normalement, on avait le nouveau truc d'armure. Je peux le poser, parce que je peux le récupérer ensuite. Hop. Apparemment, il n'y a pas d'armure dedans.
Par contre, il faudra qu'on crafte ça. Metal Workstation. Hop. Alors, lui, on va aller le voir, vu qu'apparemment, il nous montre de l'intérêt. Oh putain, j'avais pas vu lui. Bah alors? Ça chauffe, Marcel? Oh, merci. Hop, normalement, j'ai refermé. Parfait. On va récupérer un peu de fibre alors. Ce qui était quand même notre objectif de base, hein. Avons-le. Ça m'a 75, c'est pas grand-chose. Alors, apparemment, ceux-là ne peuvent pas sauter. Oh bah merde, bah mais par contre si je peux tomber dans leur gueule, y'a pas de problème. Hop, bah alors, ça chauffe? Ils font drôlement mal quand même. Alors, est-ce qu'il va m'agresser? La réponse est claire, il m'agresse. Et vu les dégâts qu'il m'a mis, je pense qu'on n'est pas encore assez haut level pour pouvoir espérer. Hop! Pourtant, il y a une arme qui est censée être puissante, hein. Ah, learn to craft white dye. Pas la crafter ici apparemment. Non. Pas grave. Ok, on l'a eu. Non sans risque, mais on l'a eu. Hop, donc on va pas aller plus bas malheureusement. On a bien vu qu'on ne peut pas se le permettre, pour l'instant en tout cas. Alors, quelques fibres peut-être. Ok. On en récupère assez vite malgré tout, hein. Voyez. Hop. On va mettre une pétoche. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance cette fois-ci? Eh ben non. Hop, ici on a un fusil de sniper dont je n'ai toujours pas compris l'intérêt. Cependant, avec les nouveaux... les nouvelles capacités de, cette mise à jour, on peut peut-être le tenter. D'accord, il a deux types de tirs différents. Ok, ramène-toi, j'attends. Non, il va pas venir. Bon, c'est pas grave. Hop, nos fibres. Ok. Hop. Ça me 261 fibres, c'est correct. Pas suffisant, mais correct. Hop. Ça fait plus de dégâts comme ça, j'ai l'impression. Intéressant. On va pouvoir revérifier ça ensuite. Voilà, je vois d'autres fibres. Profitons-en, on va pas les laisser tomber
dans l'oubli. Hop, lui il arrive pas à sauter en fait. C'est un espèce de piaf mais il arrive pas à sauter. Ce qui est très con pour un piaf. Mais c'est qu'il fait drôlement mal ce truc. J'ai pas compris ce qui s'est passé. D'accord, donc apparemment là il est touché avec une espèce de... Ah d'accord, ça clignote de plus en plus vite. Il a un retardateur en fait sur lui, non? Non, même pas. D'accord, c'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Je comprends pas comment ça marche, à vrai dire. Hop, par contre là, on a encore... Hop, je comprends pas. Je comprends pas, peut-être qu'à mon avis, quand je les tue avec ce truc là, ils explosent. Ça doit être ça, je pense, le truc à comprendre. Hop. Une lampe torche, enfin une torche tout simplement. Bon là il n'y a que des petites lianes, ça ne m'intéresse pas, nous sommes à 372, malgré tout ça monte assez vite. Hop, le clic droit semble faire plus de dégâts. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Oh. Un puits. Avec rien dedans, donc on remonte. Parfait. Dégage. Cage. Hop, voilà. Le sniper a son utilité finalement. Donc ça, faut qu'on le brise. Hop. On repart par là. Hop. C'est quoi cette saloperie qui est arrivée avec elle là? Oh, il saute en plus ce sac. Ok. Lui, il était balèze. Dégagé. 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 Hop, c'est bon. On était là et on n'est pas allé plus loin. Parfait, on y va. C'est le moment ou jamais. Hop. Hop les. Café. Hop. Ma carotte. Mais solide hein. Enfin, c'est mon arme qui fait pas dégâts, mais je veux dire quand même. Alors, une dague, intéressant. Et elle ne fait pas de truc spécial. Génial. Alors, on va poser quand même une torche, histoire qu'on y voit ce qu'on peut. Hop. Voilà.
Hop. Et une centaine supplémentaire. Ce qui n'est pas rien, on est à 484. Ou alors je donne la mienne, mais enfin bon, tout ça pour ça quoi. Je vais faire regarder la mienne. Hop. Oula. Non, c'est bon, il s'est lui-même foutu dans la merde. Tant mieux, merci à toi. J'aurais dû m'en douter. Oh. Ça, c'est intéressant, par contre. Oh, génial. Ça, on va en avoir énormément besoin, chers amis. Vous verrez bien quand. Ah oui, c'est vrai, on peut éteindre et allumer les torches. Hop. Voilà. De ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Nous sommes donc à 631. On va en refaire un petit peu. Ah, j'arrive pas à remonter. Quand ça veut pas, ça veut pas, effectivement. Hop. Parfait. Oula! Hop là. Bah alors? C'est bête, hein? Alors, je vois la lumière. Petite maison. Petit hameau avec un piège. Qui ne fait pas de dégâts, lui. Hop. Quelle utilité de mettre des pièges si ça ne fait pas de dégâts aux monstres. Encore une dague qui ne fait strictement rien. Encore une fois, on récupère ce coffre. Dans ce coffre, il y a... Ah, encore un truc intéressant. On va récupérer aussi. Ah putain. Chaque fois je me fais avoir. Ah putain. Hop là. Voilà. Oh, encore un. Génial. Un petit lag, c'est marrant. Ok, hop. Ok. C'est pas trop mal passé. Oula. Oh, bien joué. Mange. Ok. Qui c'est qui veut de la viande grillée? Hop. Et hop. On va voir ce qu'il faut là. Mais non, tu m'auras pas. Hop. Voilà. Parfait. Je l'ai désintégré. Aïe. C'est un coup à crever connement. Oh. Ça, c'est génial. On se retrouve de l'autre côté. Ah, c'est pas ce que je voulais, dommage. Vous me direz, je suis jamais content, vous me direz. Hop là. Aïe.
Hop. Ok, c'est bon. Ok. Cram. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ? Grenade launcher. Oh, intéressant. Donc nous avons là une SMG, chers amis. Donc juste pour voir. Alors, je peux pas savoir les nombres de dégâts qu'a fait. Damage per shot, energy per shot, rate of fire. Ah, on a plus les DPS normaux. Bon, bah écoutez. Et elle a un lance-grenade intégré. Eh ben si ça c'est pas sympa. Plus qu'à aller voir les dégâts qu'il fait. Oh. Ok. Elle me plaît. J'ai peur de me faire empoisonner par mon propre truc. Raté. 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 Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est tout plat? Oh. C'est un village? Bonjour. Ouah. Ça, il faut le garder, chers amis. Ça, c'est difficile à trouver. Ok, cool. On a donc un village, intéressant. Hop. Je récupère tout ce qui peut potentiellement construire, enfin conduire un. Hop. Là, tiens, j'ai obtenu un autre truc là, c'est quoi ça? Ah, Donut Carapace. D'accord. Hop. Parfait. La suite. Codex already known. On l'avait déjà vu. Hop. Rien par ici. Ah, ça c'est cool, on a encore trouvé un. Parfait, parfait. Il va me falloir aussi ça. Glitch Globe. C'est pour les quêtes plus tard, donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à les prendre rapidement. Il y a là un coffre. J'aurais des escaliers, une espèce de déchelle en tout cas par là. Oh, génial, et puis de la canne à sucre, donc on peut faire le... On peut enfin faire le... Comment le... Le cake, chers amis. Hop. Je vais y arriver. Ok. Est-ce qu'il y avait quelque chose, finalement? Non, il n'y avait rien. Quel dommage. Ok. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Hop. La vraie astuce, elle est là. Hop les... Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Il semblerait que j'ai... quelque peu... Oh, bon, excusez-moi, madame. Je pensais pas que vous étiez sur les cabinets. Veuillez m'excuser pour cette intrusion... fortuite. Je ne sais pas trop ce que je dis, mais en même temps... c'est pas nouveau. Ok, donc j'ai fait son... Sans putain de cake, j'ai plus qu'à lui donner. Codex already known. Allez, je suis sûr qu'en faisant ça, je l'ai récupéré. Exact. Hop, j'ai vu qu'on avait un autre bouquin ici qui est arrivé là, je sais pas pourquoi. On y va. Hop. Alors, alors. Tu veux bien sortir de chez toi et... Vous voulez bien que je fasse... Hop.
Oh, rien de bien intéressant. Donc ils veulent pas sortir par là, apparemment. Pixels, rien. Ah, un petit peu de cuivre, je récupère ça. Ah, une flashlight jaune, intéressant. Rien par là. En fait, ça change. En fait, c'est la couleur de la flashlight qui change. Hein. Pas seulement de l'objet, mais aussi de la lumière qu'elle produit. Je vais vous montrer ça rapidement. Regardez, hop. Vous voyez, on voit bien que la lumière est jaune. Hop. Bon, allons-y. On aurait bien fait de passer par là. Yo! Explosive shot, c'est intéressant aussi ça. Flemme. Flemme, admettons-le. Il y a un bouclier slime, ce con. Et eux, ils ont des spares. Hop! On arrive sur les fermes. On pourra pas passer, on faut passer par-dessus. Hop! Là. Pain, 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 pain. Nous en sommes donc à 7. Ce qui est loin d'être suffisant si on veut choper autre chose. J'ai pas chopé leur truc, j'aurais peut-être dû, oui, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. Il manque quelqu'un là-dedans. Bon, bah on a fait le tour des biomes. Donc on va remonter sur le vaisseau. On va aller essayer de rendre ce gâteau. Falloir aussi qu'on prépare le vaisseau pour y accueillir un petit peu de d'objets à nous. Alors on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, là, aussi, pensez à faire ça. Ouais, exact. Hop, on fait tomber ça. On remplace l'ancienne par la nouvelle. Du coup, on place l'enclume à côté. Voilà. On a du bordel sur nous. Les dagues, on peut les virer. Le pistolet de feu qui fait moins de dégâts que le mien, on peut le virer. Ma première épée, on va la rentrer. Celle-là, on n'utilise plus. Donc déjà, au niveau de ça, on n'est pas trop mauvais. Ça, on peut le ranger, ça aussi. Ça c'est un bouclier, jusque là on n'est pas trop mauvais. Bugnet. Oh, longue mécanique, ah oui c'est vrai, exact, et maintenant il y a les élévateurs aussi. Ça, vous allez aimer. Bugnet, voilà. On en a un, donc, alors on en est où là? Cool jacket, il faut en faire une. Cake, on l'a préparé, on n'a plus qu'à lui emmener un insecte et la cool jacket. Ah bah j'ai du mal à compter. Hein. Bon, on en a un paquet alors, c'est cool. J'ai du mal à compter depuis le début. Hop. On redescend, on va essayer de choper un insecte. Si possible. Et donc le problème de téléportation n'est pas réglé. C'est pas grave. On n'a plus qu'à garder les yeux ouverts. Ah, j'ai cru en voir un, mais non. Sur la possibilité qu'il y ait des insectes. Putain. Oui, comme toi. Hop, merci. Hop, merci. Des insectes. Alors.
n'a pas des masses, hein. Alors. Parce que si on ne trouve pas sur cette planète, on peut en trouver sur une autre, hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, chers amis. On va le faire dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop.